Tous les matchs de championnat, on va essayer de faire un résultat. Quoique ça va être difficile parce que je pense que Rennes va essayer disons, de prendre sa revanche sur le match de coupe qu'on a joué à Paris. Et on a toujours du mal de jouer contre Rennes parce que c'est une équipe très difficile à jouer, très bonne équipe aussi, oui. Et je crois qu'on aura du mal à faire ce résultat. Mais enfin, je pense que ça sera un si bon match que celui de Paris. Enfin, j'espère. Oui, en fait, l'un des tout meilleurs matchs que vous ayez fait cette saison, comme les Rennais, c'était au Parc des Princes. C'était au Parc des Princes, oui. On a eu beaucoup, disons qu'on a gagné, on a eu beaucoup plus de réussite qu'eux. Quel est le problème pour vous dans ce match contre Rennes? Quel est le problème le plus difficile à résoudre? Est-ce au niveau de la ligne d'attaque rennaise ou au niveau de la défense? Surtout, moi personnellement, en tant que défenseur, je crois que c'est la ligne d'attaque. Hein. Un gars comme Floch, vous savez, c'est difficile. Enfin, pour moi, personnellement, je trouve que c'est un très bon joueur et difficile à marquer. Quoi. Puis il y a Takac, vous savez, il y a Rico, c'est quand même des très bons joueurs aussi. Hein. Takac, c'est un problème. C'est un problème aussi. On va se tourner maintenant vers Joseph Bonnel. Joseph Bonnel, vous êtes l'élément moteur de cette équipe marseillaise. À votre avis, pensez-vous que cette rencontre peut balancer en faveur de l'Olympique de Marseille, alors que l'Olympique de Marseille a été battu à Metz mercredi dernier? Mais avant de commencer un match, on espère toujours réussir un bon résultat. Mais comme mon ami Jorkaev, là, je pense que ce sera un match très difficile, car ils voudront à tout prix nous battre. La revanche de la Coupe, c'est très normal. Et ici, ils ne sont pas faciles à manier. Déjà l'année dernière, nous étions fait trier 3-1 et on s'en sort très bien. Hein.